tous. Allez, c'est parti pour la séance Team Watt du jour. Équipe de deux, comme d'habitude, si vous voulez adapter pour faire à trois ou tout seul, vous m'envoyez un petit message. Allez, l'échauffement, vous allez faire 10 minutes for quality, donc qualitatif. En gros, c'est un AMRAP, mais qualitatif, donc pas forcément aller le plus vite possible, sur 4 mouvements. Le premier, ça va être 5 répétitions d'un pied, 5 répétitions de l'autre. L'objectif, ça va être de toucher le sol et d'emmener les bras au-dessus de la tête. 5 répétitions, comme ça. Vous envoyez les bras au-dessus de la tête. Vous restez bien gainé ici au niveau du buste, okay, pas de dos rond. Vous envoyez bien la jambe derrière, alignée au buste, et vous redressez bras au-dessus de la tête. 5 d'un côté, 5 de l'autre. Ensuite, 10 répétitions. Vous allez être en position gainage. Vous posez la jambe ici proche de la main. Vous redressez, fente. On emmène la jambe en position de gainage. Pied près de la main, genou au sol, fente, bras au-dessus de la tête. Ok, 10 répétitions comme ça. Ensuite, 10 cobra to dumb dog. Donc cobra, cette position-là, je regarde en l'air. Je me mets sur mes pieds, j'envoie les fesses en l'air. Dumb dog, fesses en l'air. Ici, etc. 10 répétitions. Ensuite, 10 jumping squat. Donc, en position de squat, on descend, on remonte et on saute. On décolle juste les pieds. Vous tournez comme ça sur les exercices. Ensuite, le Metcon, donc équipe de deux, ça va être un 3 round 4 time. Donc vous allez devoir faire ça le plus rapidement possible en relais. Donc vous relayez comme vous voulez sur les exercices, vous répartissez le nombre de répétitions comme vous voulez, sauf que vous avez deux scores, c'est-à-dire que pendant qu'on a un partenaire, un coéquipier qui est ici, l'autre, il doit faire le maximum de burpees. Donc il y a le score pour faire ici le plus rapidement possible les 3 tours, et le score ici de burpees, ok? Donc vous devez faire le maximum de burpees pendant que l'autre il avance sur ça. Vous avez un cap time de 20 minutes, c'est-à-dire que si vous avez fini tout ça en 15 minutes par exemple, il vous reste 5 minutes de burpees à faire en relais pour en faire le maximum de burpees du coup. N'oubliez pas du coup de compter vos burpees, de vous dire à combien vous êtes, où vous en êtes, etc. pour comptabiliser du coup le nombre de répétitions. Sur les mouvements, vous avez ici 30 thrusters à faire avec deux haltères. Donc, vous prenez vos deux haltères ou deux charges ou deux ce que vous avez. Sinon, c'est une barre d'haltéro que vous mettez devant vous. Vous descendez en squat et vous développez la charge au-dessus de la tête. 30 répétitions. Ensuite, 30 box jump over. Donc, des sauts par-dessus quelque chose. Si vous avez une box, vous sautez sur votre box, vous passez d'un côté à l'autre. Si vous n'avez pas, vous pouvez faire des sauts par-dessus une hauteur à peu près d'ici, au niveau genou. Vous allez devoir sauter tac, par-dessus comme ça. Sinon, vous pouvez faire des sauts par-dessus, des box step-up, donc avec vos deux haltères. Vous montez sur une chaise, etc. Vous passez d'un côté à l'autre, si vous voulez. Ensuite, 30 soulevés terre avec vos deux haltères. Départ du sol, vous redressez. Donc là, ça va être très rapide. Normalement, on place bien le dos, on fléchit légèrement les genoux, fesses en arrière. Ça touche et on remonte, extension complète. Et ensuite 90 DU, donc corde à sauter, double under. Si vous n'avez pas de corde à sauter, vous faites des doubles tap jump. On vient taper deux fois en haut du saut. Ou alors des jumping jacks, mais vous en faites beaucoup plus, vous en faites 180. Ou alors des tours simples, 180. Ou alors des simples tap jump, 180 aussi. Donc vous relayez comme vous voulez. Mettons vous relayez toutes les 5 répétitions, c'est pas très efficace, mais toutes les 5 répétitions. Mais vous devez obligatoirement aussi vous relayer sur les burpees. Vous n'êtes pas de commencer les burpees que quand le relais est fait. Donc, n'oubliez pas de compter ici et de savoir où vous en êtes ici sur vos 3 tours. Vous avez cap time de 20 minutes. Si vous n'avez pas fini le Metcon dans les 20 minutes, vous pouvez continuer jusqu'au bout et vous mettez vos deux scores. Voilà, voilà. J'espère que c'est clair. J'essaierai de bien expliquer ça dans la description. Je vous souhaite un bon week-end et on se dit à la semaine.